Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Aujourd'hui, on va essayer de terminer un peu ce restaurant. Vous voyez que je l'ai un peu avancé. Donc là, on a mis des toilettes ici, hop, qu'on a décoré. On a mis des tables. Je me souviens plus trop ce qu'on avait fait à la fin du resto, mais enfin à la fin de la vidéo dernière. Mais du coup, là, on commence à avoir une jolie petite zone ici. Qu'il va falloir que je décore, peut-être qu'il va falloir que je rajoute quelques plantes ici pour donner un peu de la vie. Ici aussi, on verra ça plus tard. En attendant, ici je voulais faire une espèce comment dire, de auvent, enfin de préau pour que mes tables soient à l'abri. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va aller dans la construction. Et dans la construction, on va chercher en architecture des toits. Donc on a des toits comme ça comment on appelle ça, en chaume, qu'on va récupérer, qu'on va utiliser. On a des panneaux de toit en chaume comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. On a des grands là. Ouais, on va peut-être utiliser ceux-là, c'est grand. On va voir parce qu'il va falloir qu'on soit bien calé. Falloir être assez haut aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme toit? Toit plat, toit incliné, décoration de toit. Ah, gouttières. Ah, on a des gouttières. C'est marrant ça. Excellent. Excellent. Donc, nous, on va prendre plutôt. Ok, donc nous, on va prendre des toits inclinés. On a un angle en chaume. D'accord, donc on a des angles quand même. Donc les angles, on va peut-être pouvoir. Peut-être qu'on va se mettre en vue un peu de dessus. On verra après comment on le déplace. Donc là, ce serait pas mal d'être à peu près comme ça. Il faudrait qu'on fasse quelque chose d'assez haut quand même, histoire de. Voilà, disons comme ça. Ok, comme ça on a créé une grille. Donc maintenant on va pouvoir. Tac. Ici. Faire nos coins, nos quatre coins. Hop, bon là ça va un peu dépasser là-dessus, on verra. Peut-être que. Voilà. Non. J'ai pas dû faire ça. C'est bon, je suis au même niveau. Je crois que on doit pouvoir sortir de la grille, mais je ne sais pas trop comment. Bon, au pire, on verra plus tard. Attendez, non, là c'est ici, donc là, paf. Ok, donc maintenant on prend un angle, non, un angle. Ah, on en avait deux angles. On avait du toit plus pentu, donc non, on va peut-être pas faire du plus pentu, on verra plus tard. Hop. Ok, donc là on a les droits. Ah oui, on allait vraiment. Ok. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Voilà. On crée notre toit tranquillement. Là maintenant. Donc on n'a plus que deux espaces. On va peut-être le faire un peu plus pentu pour donner un style. Il va falloir que je prenne les angles du coup. Ils sont où les angles? Non, c'est pas les angles comme ça que je veux, moi. C'est les angles comme ça. Est-ce que je mets un grand toit? Ouais, on va faire un truc comme ça. Hop. Hop. Oh là là, je vais trop vite. Voilà. C'est stylé ou pas? Pas trop, hein. Pas trop. On va essayer de l'améliorer. Hein. Hop. Hop, raté. Ça, on supprime. Ok. Donc
Donc on va prendre ça. On va reprendre tout ça là, clac, et on va le baisser un peu. Parce que je peux pas le déplacer. Si, voilà. Ah, je peux pas le baisser. C'est pas top ça. J'aime pas bien cet espace qu'il y a là. Peut-être qu'on va le sortir du groupe. Voilà, et maintenant on va le déplacer autrement. Voilà. Alors on va se mettre au-dessus quand même, histoire d'être bien comme il faut. Hop. Voilà, parfait. Nickel. Donc là on a un beau petit toit. Hein, on a un truc très sympathique. Maintenant il va falloir faire des espèces de piliers. Donc normalement je dois pouvoir, si j'appuie sur I, clac clac. Non, je peux pas y grouper. Je suis déjà dans le même groupe. Sauvegarder en tant que plan, non. Je peux pas éditer mon groupe. Groupe 54, quitter. Normalement, je peux. Je peux pas fusionner en un groupe tout ça. Il me semblait que je pouvais fusionner. Il me semblait que je pouvais fusionner. C'est peut-être quand c'est juste des objets, là c'est déjà des groupes. Modification de groupe. Ok, donc là si je fais I. Non, je ne peux pas. Ok, bon, tant pis. C'est pas grave, on s'en fout un peu. On va pas chercher pendant 10 ans. Bon, alors là, il va falloir qu'on fasse des piliers. C'est quoi, c'est ça, voilà. Hop. C'est mieux. Ok. Alors, idéalement, il faudrait des piliers ici. Alors, construction, mur, des colonnes. Moi j'aimais bien celle-ci aussi. Celles-ci elles étaient jolies. Colonnes en parpaing, super. C'est moche comme tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? C'est quoi ça hein? Colonne, sachant qu'on n'a pas, on a pas du tout débloqué déjà. En plus, ouais, donc on va faire un truc sympa. On va essayer du moins. Alors là, on va prendre ces colonnes qui sont sympathiques. Celle-ci, hop. Alors, déjà la première, on va la mettre. Waouh, qu'est-ce qui m'a fait là? Alors, hop, on va essayer de... Rotation sur point d'alignement, non. Alignement de position, non. Plein le terrain, on s'en fout. Alors là, on va faire un X du coup, parce que j'arrive pas à me rendre compte d'où je suis. Et idéalement, il faudrait qu'on tombe sur cet angle, mais on va tomber au milieu de la table, évidemment. Évidemment. Ouais, ouais là, je suis là, là. Hop, on est au milieu de la table. Allez, pourquoi je peux pas zoomer? Enfin, je peux pas repasser dessous. Ok, alors. Eh ben, on va se décaler un petit peu. On va se décaler par là, là. Là, c'est pas mal. Pouf. Voilà. On va mettre notre premier pilier à peu près comme ça.
Ça, on est pas mal, je pense. Choc. Voilà, là, c'est mieux. Là, j'aime bien. Là. Genre que ça s'est posé dessus et que l'autre, il est fixé contre. Ok, voilà. Donc là, on a un début de pilier. On est bien. On va prendre celui-là après, ensuite. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai vu une astuce l'autre jour qui me paraissait pas mal. Ah, voilà. Ça, c'est joli. C'est d'utiliser un peu n'importe quoi pour faire. Voilà, un bout de pilier, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa aussi. Oh, ça, c'est un an trop petit. Oups. Paf, 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 paf. Faut trouver un truc pas mal. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien ça, l'espèce de grosse perle. Ça, c'était cool. Ça, c'était joli. Ok, donc maintenant, on va faire. Tac, on va faire I. Paf, paf. Paf, paf. Ça, on va faire grouper. On va faire dupliquer, hop, clac, voilà, on va en mettre un ici. Oula. Mais, X, clac, voilà, on va prendre I, ça et ça. Ah voilà, là, je peux les dupliquer. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je pouvais pas. Les deux toits, les assembler ensemble, hop, et là on va mettre. On va essayer d'être à peu près symétrique. Donc là, je tombe à peu près, un tout petit peu après le deuxième. Donc là, il faudrait que je sois à peu près comme ça. Pour être à peu près symétrique. Voilà. Donc là, on a deux gros piliers, mais on se dit en même temps, c'est pas très réaliste. Notre structure, elle tient pas sur grand-chose. Il faudrait des piliers au bout là. Il faudrait au moins quelques piliers là. Donc là, on va reprendre. Ah, j'ai des trucs sympas là, ça c'est stylé aussi. Donc, on va reprendre. Faudra que je débloque les thèmes aussi. Alors, on verra plus tard ça. Ouais, il y a des sculptures que j'ai même pas vues. On va lancer la lecture. Alors, ici, Potrag Noir va avoir des petits par consanguinité. Oh merde! Bon, alors attendez, on va mettre pause. On va faire ce qu'on veut. Et on verra après. Voilà, moi c'est ça que je voulais. Support d'ombrage. Non, moi je vais prendre ça. Je vais me prendre les grands directement. Voilà, là on va le mettre là. On va faire X. Alors, est-ce qu'on est bien placé là? À peu près, non? Ok. Bon, on est pas mal là. Ok, donc ça on va faire dupliquer. Ça on va le mettre là-bas. Ah, là, il n'y en a peut-être pas besoin là-bas. On va dire que c'est intégré à notre bâtiment ici. Du coup, on va annuler. On va dupliquer celui-là. À l'autre bout, en espérant que ça tombe pas dans notre enclos. J'ai un peu peur. Si, voilà, bon, on va bouger l'enclos du coup, un petit peu. Hop, voilà. Tac, lui, on l'envoie au bout là-bas. Hop. Tac. Voilà, ça semble pas mal ça, non? Peut-être au milieu. Peut-être en rajouter au milieu. Oula. Voilà, les déplacements, c'est un peu chelou des fois. Ok. Ça me semble pas mal ça. Merde. Je croyais que je l'avais ajouté, mais non. Hop. Alors, du coup. Hop, on va le déplacer un petit peu.
Clac, hop, ça, comme ça, c'est bon. Voilà. Ok, donc ça, c'est pas mal. Hop, ça, on annule. Hop, voilà. On a notre espèce de auvent, moi, que je trouve pas mal. Ça fait un petit peu massif, mais bon. Hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On va essayer d'ajouter des petites décos. Genre là, je verrais bien un petit truc comme ça, moi. Ça, j'aurais bien eu des trucs au pied aussi. C'est trop gros, ça. Comme ça, là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. X. Un peu bien compte là. Est-ce que je suis bien centré? Pas hip hop, pas tip top. Ok, voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok, donc on va en mettre un autre là-bas à l'autre pied. On déplacera après la clôture là pour qu'elle soit comme il faut. Ok, c'est pas mal. Hop là, voilà. Là, on va récupérer ça. J'ai fait une espèce de barrière là. Hop, on va la récupérer. Tac, tac. On va dupliquer ça. Ici. Un peu plus par là. Voilà. Hop. Ok. On va prendre les deux. Hop. On va les grouper. On va faire CTRL X pour dupliquer. Ah, ça va mieux avec les raccourcis quand même. J'avais peut-être pas besoin d'en mettre deux. J'avais peut-être pas besoin de les grouper. Alors, attendez, est-ce qu'on peut les dégrouper? Voilà. Juste prendre lui. Voilà. Là. Du coup, je peux modifier ça. Je vais en prendre 3 là. Même 4. X. Hop là. Allez, on va faire ça bien. Et après, on va passer à autre chose. Hop. Clac. Voilà. Il m'en ferait peut-être que deux. Voilà. Hop, donc là, on fait quitter. On ferme ça. On va éditer cette barrière. Chucks, on va le mettre comme ça. Et ça, on va le tirer par là. Paf. Voilà. Comme ça, nous, ici, les gens qui vont manger, ils vont avoir une petite vue dans l'habitat ici. Donc là, on va créer un peu des trucs de déco. Il faudrait peut-être qu'on décore un peu ce toit là. Il fait un peu mastoc et massif. Mastoc et pas de déco. Qu'est-ce qu'on a comme déco? On pourrait mettre des trucs comme ça. Si je mets ça comme ça, genre. Hop. Quoi ça ressemble ce truc? C'est pas mal, mais ça suffit. C'est pas terrible finalement. Enfin. C'est pas cool. Oh, comme ça peut le faire. Comme ça peut le faire. Hop, on est à peu près au milieu. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Merde, trop Z. Ah!
Alors, dupliquer. Voilà. Ah non! Ça le fait pivoter selon son axe à lui. Aïe aïe aïe, duplication. Ah bon, on va se mettre selon l'axe comme ça. Et si maintenant je fais ça? Non, ça ne marche toujours pas. Donc on duplique. On déplace là. On fait ça. On fait X. C'est quel axe, le vert? Hop. Fait juste ça, puis après on va peut-être passer un peu de gestion. On va relancer un peu pour histoire que je me fasse de l'argent et puis que. Pas mal ça, non? Bon, j'ai un peu des manifestants, mais on s'en fout. Ok. Lui, on va faire pareil. Paf. Hop. Voilà, ça fera un peu moins déjà. Un petit peu moins tout pareil. Ok. Voilà. Ah, bah c'est pas mal, mon petit resto là. Commence à faire stylé. Alors, soigneur, c'est pas occupé du vivarium. Ah oui, c'est vrai qu'on a le vivarium là au milieu. Alors, là, CVC, on va les dégager. Et le vivarium ici, où est-ce qu'on va le mettre? Ça, c'est un peu le problème. Je sais pas trop où on va le mettre, ce vivarium. On va le laisser par là. Hein. Peut-être le mettre par là, là. En face, là, on va enlever ces poubelles là. Hop. Clac. Tiens, j'ai débloqué un truc. Récupérer. Ok. Alors, on a dit. Là, on sélectionne le bâtiment. On a les deux vivariums, donc on les déplace. On va les mettre genre par ici. Mais là, il va falloir que je refasse mes allées. Je vais m'éloigner un petit peu comme ça. Là, on va supprimer ces allées-là. On va se mettre en allée. Oui, c'est ce qu'on voulait. C'est celle-ci, hein. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-là. On va se mettre saigner sur la grille de ça. Hop, on va faire comme ça. Paf. Paf, là on va mettre des bords arrondis. Hop. Clac, clac. Clac, clac. Et là on va relier. Là, on va désectionner la grille. On va mettre 10 mètres. On va relier ça à ça. Est-ce qu'on peut le faire? On peut pas les. Oh mince! Bon, écoutez, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut pas faire un peu plus large? Non. Ah. J'ai cru qu'on pouvait. Non. Alors, 7 mètres. Non, 6 mètres. Ah, 6, ça passait. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Bon, ça fait un peu dégueu là. Mais bon, ça passe, ils y vont. Ça passe, ils y vont. Ok. Alors ça, on va y dégager.
Hop. Alors qu'est-ce qui se passe avec mes animaux? Un animal mort, mince, appelez le vétérinaire. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, on a quelqu'un qu'on va saluer là, voilà. Paf. Ah, c'est vraiment classe ce truc avec les visiteurs qui peuvent voir au-dessus. Donc on a 17 enclos. Pourquoi je suis aussi lent maintenant dans les déplacements? C'est avec T, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, on va essayer de créer un peu d'attrait. J'aimerais bien dégager ces trucs en bois, là, mettre des rochers aussi. Ce serait pas mal. Tiens, hop. On commence à avoir pas mal de trucs. Ah oui, au fait, on a eu de la consanguinité, on a dit. C'était où? C'était les Springboks. Springbok, centre d'échange. Ça, on verra plus tard. Wow, c'est pareil, les vipères, là, on en a masse. Alors, vipère heurtante. Celle-ci, celle-ci. On va garder une femelle. Hop. Et on va les envoyer. Je peux pas les envoyer, je sais pas où. Je peux pas les déplacer. Déplacement des animaux possible à cause du problème suivant. Votre sélection contient des animaux d'habitat et de vivarium. Ah bon? Ah oui. Envoyer au centre d'échange. Paf. Ok, envoyé au centre d'échange. Déplacer vers le centre d'échange. Hop. Voilà. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Recherche. Allez, donc les clôtures, on avance, c'est bien. Vétérinaire, on avance aussi. J'ai dit que ce qui serait bien de débloquer ici, ce serait des nouveaux thèmes. Qu'est-ce qu'on débloque là? Ah là, on débloque des plans. Donc c'est pas trop important de débloquer des plans. C'est mieux de débloquer les éléments quand même. Sachant que lui il débloque ça, on débloque quoi après? Ah oui, si, je voulais débloquer ça absolument parce que pour le bonheur de mes animaux, c'est assez indispensable. Pas de centre de recherche accessible. Ah bon? Comment ça? Vétérinaire, pas de centre de recherche accessible. Il est où le centre de recherche? C'est pas là? C'est pas ça le centre de recherche? Non, c'est pas ça. C'est ça? Centre de recherche. Ah, il est bien là, c'est bien accessible là. N'importe quoi toi? Recherche vétérinaire terminée. Ah bon déjà? Ok. Ah bah j'ai tout fini. Ok, on passe à l'escargot. Toi tu vas aller sur la vipère. Et ensuite on cherchera autre chose. Donc là on a dit. Est-ce qu'ils sont heureux? Social 7%. C'est pénible ça. Je sais pas ce qu'ils veulent, c'est assez pénible ça. 5 alertes sur les hippotrages. Gestante. Ah oui, il faut que j'enlève les animaux qui sont de la même famille. Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant des Springbok mâles? Non, toujours pas. Pénible ça, hein? Animaux en attente.
Pourquoi je l'ai mis là, elle? Je sais pas, sûrement pour la vendre. Je peux pas la vendre? Pourquoi je peux pas la vendre? Impossible d'annuler cette action, confirmée. Allez! Pourquoi ça rame comme ça? J'ai l'impression que c'est à cause de ma connexion, ça. C'est pénible, ce truc. Échange de vivarium. Oh, les araignées stylées. Alors, animaux en attente. Toi, je te vends. Confirmé. Toi, je te vends. Confirmé. Toi, je te vends. Toi, je te vends. Confirmé. 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 Voilà. Peut-être que... Un VIP est arrivé dans votre zoo. Comment on fait pour les saluer déjà? Ah, je l'ai déjà salué l'autre là-bas. Voilà, salut, boum. Ça me fait des points. Donc ça... Ça... Oh, au statut de la clôture. On va appeler un mécanicien. Les animaux. Peut-être qu'on va leur mettre de la qualité 3. Pour eux. Les hippotrags, on va leur mettre aussi de la qualité 3. C'est déjà le cas. Et les springboks de la qualité 3 aussi. C'est déjà le cas. Bon, alors maintenant, pourquoi ils sont pas contents? Social. Stress. L'animal est affolé, tente de se cacher. Il a pas l'air affolé, là. Il a l'air affolé. Oh, lui, il a l'air affolé par contre. Et il ne l'est pas du tout. Fantastique. La zoopédie du Springbok. Optimisation interespèce. Peut-être qu'il a besoin d'encore plus d'animaux. Donc là, on a des. Peut-être qu'on va mettre des buffles ou des autruches. On va mettre des autruches. Ouais, donc là d'accord, on a compris. Non, moi c'était le... Faut que je revienne sur le... Springbok. Ok, donc on s'en fiche. Moi ce que je voulais voir c'est ça, 3 à 35. Il n'y a peut-être pas assez de femelles encore. Hein. Parce que là je suis à combien? Social. 9, c'est peut-être pas beaucoup, hein. Peut-être qu'il en faut plus que ça. Peut-être qu'il en faut plus que ça. J'espère juste que lui il va pas s'accoupler avec, avec les autres femelles. Allez hop, recherche terminée. Continuez. Continue hein, pour le moment. Je suis plus qu'à 13 là. Je sais pas pourquoi des fois ils sont stressés. Peut-être quand il pleut, je sais pas. Bon, alors ici on a dit qu'il fallait qu'on duplique un truc comme ça. Hop. On va mettre un truc de nourrissage par ici. Hop, et des jouets un peu, des jeux, alors c'est un springbok ça tiens, on a hypotrag, optimisation, un poteau grattoir, un marqueur de parfum, alors ça c'est dans habitat, optimisation, jouet, alors un marqueur de parfum d'herbe qu'on va mettre ici, un poteau grattoir par là et une boule à poignée ici, hop voilà, comme ça ils ont de quoi s'amuser un petit peu par là aussi, comme ça ça les attirera un peu par ici. C'est vrai qu'ici ils ont pas grand chose, on va peut-être rajouter des trucs, hop voilà.
Ok. Peut-être pas assez d'animaux, hein, c'est tout. Je ne sais pas. Les buffles, en tout cas, eux, ils sont bien. Alors, je veux juste voir du coup mes animaux, parce que là, c'est quoi ça? Mais... Tu te moques de moi, il est là, centre de recherche. Ah, pas de centre de recherche accessible. Ah! Et ils peuvent pas faire leur recherche en même temps, les deux. Il faut que j'en duplique un truc comme ça. Paf. Voilà, faut que je fasse comme ça. Ah, ces allées. Voilà. Boum. Ok. Oh, voilà, mais les gnous, c'est... Oh, les animaux, ils se reproduisent, laisse tomber. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que cette gestion, ça va être assez chaud. Là, ce serait bien qu'on ajoute un peu des plantes dans ces trucs-là, là, que ça fasse pas trop... trop horrible. Alors, du coup, on avait dit là... peut-être qu'il va être temps, la prochaine fois, de créer un nouvel enclos, non? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, on n'avance pas trop... On n'a pas trop de nouveaux enclos. Peut-être que ce serait bien d'avoir un truc par là. Là, on fera une déco histoire de faire quelque chose. Ça, tout ça fera pareil, décoré. Cet enclos est pas mal, je pense. C'est juste que là, il faut vraiment que... Ah, ça y est, il commence à aller là-bas un peu, c'est bien. Faut que j'arrive à trouver pourquoi ils sont... Ils sont tout le temps stressés. Ok. Bon, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. La prochaine fois, on essaiera de faire un nouvel enclos, ce sera pas mal. Et la déco, on continuera à part. Allez, donc sur ce, à bientôt. Salut à tous. Ciao.